Et salut tout le monde, c'est Mustang et on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière mission de Hitman Absolution. Alors oui, je sais que ça rime et oui, je sais que c'est la classe, mais on n'est pas là pour ça. Alors je vous rappelle que dans la mission précédente, on avait dû s'infiltrer dans Blackwater Park. On s'était occupé de Leila que Dexter nous avait envoyé pour nous ralentir, mais bon, ça avait pas trop marché. Elle avait tenté de nous faire un petit striptease, un petit truc voilà quoi, mais on s'était occupé d'elle, ça avait pas marché. Et bref, là vous pouvez voir que dans cette mission, il y a un petit compteur, d'ailleurs c'est la première fois dans le jeu qu'il y a ça, juste à droite, en dessous le portrait de Dexter, vous voyez qu'il me reste 4 minutes. Alors ça c'est pour vous rajouter un petit peu de stress, parce que faut savoir que Dexter va tout faire péter, et il veut s'enfuir avec Victoria, et il veut laisser aucune preuve tout simplement. Et du coup vous avez 4 minutes avant que tout n'explose, donc ça, ils ont mis ça pour vous faire stresser, mais faut savoir que vous avez largement le temps de finir cette mission. Donc vous voyez que j'ai utilisé un petit peu d'instinct pour arriver jusqu'ici. Là, je me cache parce qu'il y a plein de mecs. Et j'attends juste que le gars de gauche se casse. Donc une fois que c'est fait, là vous cherchez pas. On y va en diagonale. Normalement, vous vous faites pas repérer, hein, ça passe tout seul. Et une fois qu'on arrive devant les deux, on réutilise un peu d'instinct. On passe la porte et on a fait le plus gros de la mission. Donc il faut savoir que vous pouvez passer par la gauche, mais il y a des mines et vous devez utiliser votre instinct et tout pour passer, enfin ça c'est chaud. Alors que là, regardez, si on passe par la droite, on a juste un petit cadenas à exploser, on grimpe l'échelle et on arrive directement à Dexter. Donc franchement, je pense que c'est la méthode la plus simple et la plus rapide, puis même la moins chiante, hein. Enfin, c'est la meilleure méthode, il n'y a pas à chier. Donc là, si vous voulez le bonus d'assassin silencieux, faut pas directement monter tout en haut de l'échelle, hein, sinon Dexter va vous repérer. Il suffit d'attendre un petit peu, en fait, il va recevoir un appel d'un de ses gars, lui disant que Leila est morte, et il va commencer à péter un câble. Non, monsieur, elle est morte. Leila est morte. On n'a rien pu faire. Terminé. Vous voyez, là, vu qu'on a tué tous ses proches, hein, Lenny, Leila, il a vraiment plus de famille, quoi, on va dire. Du coup, il pète un câble, il a carrément envie de se débarrasser de Victoria. Donc il faut attendre, faut pas y aller tout de suite. Vous allez voir qu'en fait il faut y aller quand il commence à la viser. Donc là vous voyez, il est en train de la viser. Donc on peut y aller. Hop, on se met en mode assassin silencieux. On prend les silver ballers, on passe par derrière et on l'élimine. Donc par contre faut pas oublier de choper son ultra max. Vous voyez, ultra max de Dexter, parce que ça compte pour un des objets du niveau tout simplement. Et il n'y a que là que vous pourrez le choper. Donc ça y est, la mission est terminée. Alors comme je vous l'avais dit, elle est vraiment très courte. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, hein, sachant qu'on arrive à la fin du jeu, ils auraient pu nous mettre des missions vraiment longues. C'est un peu débile. Mais bon, vous allez voir que la dernière mission du jeu, elle vaut vraiment le coup. Donc moi je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde et on se retrouve pour la fin.